Dévoilons le cerveau du plus gros scandale d'Alger. Il s'agit de Bey Abdellah Abdelkader, âgé de 49 ans et originaire de Tlemcen, poursuivi pour escroquerie en bande organisée, blanchiment d'argent, exercice illégal d'activité bancaire, exercice d'une activité commerciale non conforme à l'enregistrement commercial et défaut de facturation. Un procès d'envergure a débuté au tribunal de Bir Mourad Raïs, révélant l'une des escroqueries les plus notoires d'Alger à ce jour. Opérant sous la façade du groupe Eversay Algérie, Abdelkader et ses trois complices promettaient des retours sur investissement rapides via les réseaux sociaux. Ils ont ainsi attiré près de 800 victimes et amassé la somme colossale de 100 milliards de centimes. Des voitures de luxe, un yacht et de vastes sommes d'argent ont été saisies, mettant en lumière le train de vie opulent financé par leur tromperie. Ce scandale souligne les dangers des investissements en ligne et la nécessité d'être vigilant face aux promesses trop belles pour être vraies. Alors que le procès se poursuit, les autorités algériennes sont déterminées à rendre justice aux victimes et à démanteler ce réseau complexe de tromperies. Restez à l'écoute pour de plus amples informations sur cette affaire en cours. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.